c'est pas du jeu. Oh, regardez dans le ciel. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Grand-père Ted, t'as vu? Oh là là, c'est la montgolfière de Trucksville. Elle a dû se détacher et elle est emportée par le vent. Il faut que quelqu'un la rattrape et l'amarre à son point d'attache. Grand-père Ted, c'est une mission pour nous, ça. Tu as raison, Alex. Tous à la Trucks Control. Les mini-trucks. Selon mon radar, la montgolfière vient de s'échouer dans la forêt de Trucksville. Bonne nouvelle! On n'a plus qu'à la charger dans nos remorques et la rapporter, alors. Ce ne sera pas si facile, Alice. La montgolfière est trop grande pour être déplacée en camion. Il faut la rapporter à Trucksville par les airs. Par les airs? Comment on va faire? Kim, la scientifique, se trouve déjà sur place. Je l'ai appelée pour vous aider à la faire voler. Je programme la rampe de lancement. Direction la forêt de Trucksville. Bonjour, les mini-trucks. Prêts à réparer la montgolfière? Oui! On a juste à regonfler le ballon, pas vrai? Exactement, Alex. Et pour gonfler le ballon d'une montgolfière, il faut de l'air chaud. Un peu comme notre souffle? Oui, Jérémy. Alors si on souffle tous ensemble dans le ballon, ça peut peut-être marcher? Vous pouvez essayer. C'est vrai que votre souffle est chaud, mais pour gonfler un ballon de montgolfière, il faut de l'air bien plus chaud que ça. Aussi chaud que du feu? Exactement, Lisa. Vous verrez qu'au-dessus de la nacelle se trouve un brûleur. Pour fonctionner, il a besoin de carburant, mais il n'en a plus. Vous savez où nous pourrions en trouver? Je vois que l'atelier d'Amy, la mécano, est tout proche d'ici. Oh oui, c'est sûr qu'elle aura du carburant. Alice, tu nous guides? C'est parti! Bonjour, Amy! Bonjour, les mini-trucks. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes en train d'aider Kim, la scientifique, à réparer la montgolfière de Trucksville. Il nous manque juste du carburant pour le brûleur. Est-ce que tu en aurais? Je vais voir ça tout de suite. Attendez-moi là. Ah ah! Il me semblait bien qu'il me restait quelques bidons de carburant. Vous avez de la chance, ce sont mes derniers. Bon courage pour réparer la montgolfière. Merci, Amy! Bravo, les mini-trucks. Vous avez trouvé du carburant. Il ne nous reste plus qu'à le mettre dans le brûleur. Super! Il ne nous reste plus qu'à le démarrer. Oui, mais pas tout de suite. Une montgolfière suit les aléas du vent. Si nous voulons la ramener à bon port, nous devons attendre que le vent souffle dans la bonne direction. Et il souffle dans quelle direction, maintenant? Pour le moment, il souffle en direction de la montagne enneigée, Jérémy. Oh, mais c'est à l'opposé de Trucksville! Exactement. C'est pour ça que nous devons attendre avant de gonfler le ballon. Alice, non! Wouhou! Je vole! C'est trop cool, la montgolfière! Grand-père Ted, pilotant! Il faut qu'on aille aider Alice et qu'on récupère la montgolfière! Ho ho! J'ai exactement ce qu'il vous faut! Montez dans le tunnel! Merci, Alice. Demi-tour, droite. Wouhou! Nous sommes presque arrivés. Prêt à garer cette montgolfière? Prêt! Descendez! Il faut l'attacher. Oui, il y a une corde exprès dans la nacelle. Amy, tu peux venir nous aider? Tout de suite. Bravo, les mini-trucks! La montgolfière est amarrée. Vous avez bien mérité la coupe des maîtres du vent. Ouais! Trop bien! J'espère qu'elle ne s'envolera pas.